En cette veille de 14 juillet, l'air de Paris sent bon le tilleul. Mais dans l'atmosphère encore fraîche du petit jour, il y a aussi ce matin un souffle chaud, comme une brise provenant du désert. Ces visages anonymes, vous les avez tous reconnus, ce sont nos légionnaires, arrivés hier au soir de Nîmes, d'Orange, de Laudun ou d'Aubagne. Sur la place de la Concorde, en regardant les étoiles pâlir, ils écoutent d'une oreille attentive les chœurs et la musique de notre armée. Dans quelques heures, ce sera leur tour d'être sous les feux de la rampe. Le macadam des pistes d'atterrissage de Villacoublay et de Satory frémit aujourd'hui encore des rumeurs et piétinements cadencés, des nombreux exercices de défilés à pied ou à véhicule qui se sont succédés dans ces lieux pendant la semaine précédant le 14 juillet, sous l'œil critique des caméras du grand coordonnateur, le général gouverneur militaire de Paris. Ce sont plusieurs milliers d'hommes, officiers, sous-officiers, militaires du rang, de toutes les armes et de tous les services, qui se sont exercés à marcher au pas, à s'aligner, à redresser la pointe d'une baïonnette, d'une épée ou d'un sabre, à négocier les virages comme dans une valse lente. Avec le calme des vieilles troupes, propres aux unités d'élite, les képis blancs venus chercher, écrit le poète, l'oubli dans l'aventure, le rachat dans le sacrifice, la dignité dans l'honneur, ont découvert Paris, comme l'on découvre des terres inconnues et d'autres constellations. À l'heure où les Parisiens se réveillaient au milieu d'une nuée de militaires en goguette, touristes d'un jour, les badauds du jardin du Luxembourg pouvaient contempler les rangs de képis blancs, en tenue de parade, alignés pour une cérémonie inhabituelle, la traditionnelle prise d'armes légionnaire
organisée tous les ans à la veille du défilé. Capitaine Jean-Luc Messager, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Cette cérémonie fut enfin l'occasion de dire au revoir au général de division Clément Bollé, qui faisait ses adieux aux armes en présence du général d'armée Bernard Thorette, chef d'état-major de l'armée de terre, du général d'armée Marcel Valentin, gouverneur militaire de Paris. Le général de division Henri Clément Bollé naît aujourd'hui à terme, à 32 années passées au service de son pays, de notre pays, de la France. L'adjudant Ribeiro de Almeida et le caporal-chef Viakiriev ont été mis à l'honneur et se sont vus remettre par le ministre de la Défense, Madame Alliot-Marie, et M. Poncelet, président du Sénat, leur décret de naturalisation française obtenu au titre du « sang versé pour la France ». Depuis plus de 150 ans, la Légion étrangère est un creuset d'intégration exemplaire. Elle relève en ce sens un défi plus que complexe. Il s'agit de construire à partir de plus d'une centaine de nationalités et presque autant de langues, j'ai pu le constater, une troupe soudée, capable de s'engager sans délai dans les combats les plus difficiles et les situations les plus ardues. Notre législation reconnaît désormais explicitement que l'on devient français par le sang versé, au moins autant que par le sang reçu. C'est bon ? Ah, nickel.
14 juillet au matin, en préambule au défilé militaire, la musique de la Légion étrangère, accompagnée par la fanfare de la 27e brigade d'infanterie de montagne, a effectué la traditionnelle aubade présidentielle. Ce fut au tour du ténor Roberto Alagna de chanter une vibrante marseillaise accompagnée par les chœurs de l'armée française. Soldats, ils viennent jusque dans nos bras et quand
Cette année, la Légion étrangère alignait les détachements des trois régiments de la 6e brigade légère blindée. Comme de coutume, c'est aux pionniers du 1er régiment étranger, le plus ancien et gardien des traditions de la vieille Légion, que revint l'honneur d'ouvrir le défilé des troupes à pied. Juste derrière les pionniers, la musique de la Légion étrangère, sous des tonnerres d'applaudissements. Et puis, derrière leurs chefs de corps et leur étendard, cohorte sacrée de nos gloires infinies, s'avancèrent au palan de parade les képis blancs du royal étranger. Képi noir, képi blanc, regardez-les venir, gardant au fond des yeux l'ombre des souvenirs, le vent froid de Narvik, les sables du désert, et ce que l'on ne dit pas mais que l'on a souffert. Les rumeurs des fifres et tambours de la musique de la Légion étrangère étaient à peine éteintes que se présentaient les troupes motorisées. Les VAB du 2e Régiment étranger d'infanterie de Nîmes. Les engins du 1er Régiment étranger de génie de Lodin. Ceux de l'escadron d'éclairage et d'investigation du 1er Régiment étranger de cavalerie d'Orange. Qui pourrait lire sans frémir votre épopée. Jamais garde de roi, d'empereur, d'autocrate, de pape ou de sultan. Jamais nul régiment, chamarré d'or, drapé d'azur ou d'écarlate, n'alla d'un air plus mâle et plus superbement. Et puis, le 14 juillet après-midi, les Parisiens ont accueilli leurs soldats. Ce fut l'occasion, pour les petits comme pour les grands, de découvrir la Légion, mais aussi et surtout Monsieur Légionnaire. Thank you.